Voilà. On est bon, on est revenu. Donc du coup, GG à Will et à Cetis si Will ne répond pas. Il est minimal car, on va aller à Diamond. On va aller à Diamond City. Mais avant, on va peut-être passer par l'allée des pendus, vu que c'est pas très loin. Je pense que ça peut être intéressant, l'allée des pendus. Oui, la scène. 2 minutes, 2 minutes, on est dans des écrans de chargement, c'est pas grave. Je vais juste boire un coup, parce que il fait un peu soif. Allez! Attention, il va nous tirer dessus! On est mort. Non, je déconne. Ok, donc on est bien là. Alors, comment ça marche l'allée des pendus? Je sais pas. C'est une porte, on va l'ouvrir. On va la déverrouiller déjà. M'a vu. Viens, cache-toi ici. C'est rien. Ah oui, ok, je comprends. Je comprends pourquoi ça s'appelle l'allée des pendus. Parce que c'est une allée avec des pendus, en fait. Je vais te trouver. Qui est là? Un mort. Ah! Bah moi aussi je peux t'envoyer des trucs, connard. Prends ça. Prends-toi. Bordel, j'ai besoin de tir de soutien. Ah! J'y vois plus rien. Dilonnez-les, ma mère, de ma terre. Oula, j'ai plus beaucoup de vie. On va vite prendre les trucs là qui donnent beaucoup de vie. Or ça. Hop. Eh bien, je t'attends. Non. Mais non, j'étais loin quand même. Mais non. Dégueulasse. Utilise de puissance d'attaque de corps à corps ainsi que de toujours des charges électriques. Ah, donc j'ai... C'est bien le... Le mode police. Ah, il est trop classe. La danse du robot. Voilà. Donc on va se re-téléporter là-bas. Ah, mais j'aurais pas de pitié cette fois-ci. Il est swag le robot, ouais. Trop swag. Il y a bien longtemps, lorsque l'Institut a créé ses premiers synthétiques, ces derniers ont tenté de travailler pacifiquement avec les habitants de Commonwealth, mais une défiance mutuelle a rapidement mis fin à cette relation. Ils font un peu peur quand même. Plus les tuyaux là, ils font un peu comme, comme des vrais organes, ça fait un peu bizarre. On a dit on déverrouille. Hein? C'est bon. Aïe. Dommage. I'm going.
Regardez-moi la position du chien. Et ils se foutent. Ils se foutent des dégâts eux-mêmes quoi avec leurs explosions. N'oublie pas la nouvelle cote. Il fait un peu soif. Ouais mais c'est pas. Enfin. C'est une enfin. Comment dire. Oui c'est peu commun mais enfin c'est pas un... Merde. Forcément drôle quoi, personne. C'est une façon de parler débile quoi. On pensait pouvoir se cacher. Toujours en vie. Voilà, ta gueule. Ok. Grenade à fragmentation, ouais vu combien j'en ai dépensé là, c'est... Intéressant. Des boîtes sans intérêt. Musique chasse. Un atelier. Nice. Du coup, ça veut dire que je peux récupérer l'endroit en fait. Dans un sens. En faire une vraie ville. Du cuivre. Où est-ce que je peux choper du cuivre? C'est que de l'acier. Ah mais à la limite, enfin faudra que j'y pense. Mais du coup je peux faire une baraque ici quoi. Enfin une baraque, une ville. C'est ça que je voulais dire. On y pensera plus tard. On n'est pas occupé de faire ça. Parce que niveau positionnement là, c'est plutôt pas mal. Mode écolo activé, non. Pas plus d'une fois par stream. Joli. Dans les tuyaux en plomberie, le cuivre. Ouais, mais bon, là. Faut les trouver, tes tuyaux. Il faut que j'arrive à enlever ces chaînes. Ah. Pinceau. Y'a rien d'intéressant ici. Ok, bon. Bref. Nous devons aller au sud. Pourquoi? Pour aller à Diamond City. Qu'est-ce qu'il y a à Diamond City? Il y a soi-disant des informations pour notre fils qui s'appelle Shaun. Qui s'est fait enlever. Et donc, on veut le retrouver. Qui est là? Aïe! Dégage, putain! Ok, ils sont là au-dessus en fait. Lol. Ah mince, elle est passée de l'autre côté. Oh il est où le mec? Ah putain il a bougé. Bon je sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas comment y accéder. Ah bah par là en fait.
Le chien, c'est Chuck Norris. Il meurt jamais. Non, non, il peut pas mourir, donc... Donc ouais, c'est un peu Chuck Norris. Ok. Cartouche, cellule, et après c'est du caca. Je vais me soigner, parce qu'il faut de temps en temps. Prendre ça. Sud. J'entendais des bruits de... comme des bruits de pas. Ah bah. Je ne suis pas fou. Oula. Oh, il est légendaire celui-là. Ah, il a muté maintenant. Ok. Ah, il est mort. Oh oh. J'entends des super mutants. J'entends vraiment pas loin. Ah, il est là-bas. Ah, c'est un kamikaze. C'est pour ça qu'ils font ce bruit-là. Waouh! Prends un Radix. Non, c'est des Radaway. Et pas pour le moment, j'en ai pas besoin. Envie d'en gâcher pour quelques radiations. Voilà. On peut dire que Maurice a été explosif sur ce coup. Ah, c'est tout pour moi. Il y a un ennemi par là, mais je sais pas comment y accéder. Tel molotov. Oublie pas le stuff sur le chien légendaire. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Juste oublié. Hop. Bah du coup ça va remplacer mon revolver. Là. Ça va remplacer l'autre revolver que j'avais utilisé. Revolver là, hop. Putain, il est classe. Ouais, merci. Pour le tips. J'avais totalement oublié le chien avec les autres là qui arrivaient. J'avais un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Est-ce que c'est... Ouais, Diamond City, c'est par là. Putain, ça a l'air vachement rassurant, Diamond City, juste à côté. Il y a des super mutants qui explosent et tout. Ça donne envie de venir dans la ville. Bouche d'égout, ok. Apparemment, c'est un lieu important. Diamond City, this way. Ça me fait grave penser à...
The Walking Dead avec Terminus. Attendez. Voilà. Envie de refaire. Bonjour. Il voit un mec armé, ça. Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert là, bon sang. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais le maire est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Ouvrez cette porte tout de suite. Cette personne est là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Quoi? Qui êtes-vous? Chut, chut. Jouez le jeu, d'accord? Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Ça... Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes bon, ses provisions? D'accord. C'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Cet endroit-là, Diamond City, qu'est-ce que c'est? Ah, le diamant vert. C'est une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Tous les gens importants du Commonwealth se sont d'ici, s'y sont installés ou en ont été virés. Un grand mur, de l'électricité, le tout à l'égout, des écoles et même des gardes. Diamond City, on l'adore ou on la déteste. Vous aurez bientôt l'occasion de vous faire votre propre avis sur la question. Allons-y. Piper, qui vous a laissé entrer? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Puis-je vous citer, monsieur McDonough? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. De quel journal est-ce que vous parlez? Du mien. Public Occurrences. Nous exposons la vérité sans la moindre concession. Alors, vous êtes avec nous ou contre nous? J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent, si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux? À votre avis. Si le journal ment, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Je cherche juste quelque chose. Ah bon? Et quoi donc? Mon fils, Sean, il n'a même pas un an. Attendez, votre fils a disparu? Oh, vous entendez ça, McDonough? Qu'est-ce que la sécurité de Diamond City va faire pour aider cet homme? C'est pas la première fois qu'on vous signale un enlèvement, sauf que là, c'est un bébé qui a été kidnappé. Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Qui peut aider? Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider? Je regrette de ne pas avoir le temps de répondre à d'autres questions. Ah, dommage. Mais je suis un homme très pris. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre belle ville. C'est ridicule! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais au kidnapping? Plus cassé, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre serez-vous. Continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon.
Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait. Ok. Alors, ah, tu vas voir Nick Valentine. Pas tout de suite, mais dans pas longtemps, ok. Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai? Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais tout est allé si vite. Ah, vous n'êtes pas le premier type à se retrouver soudain dans le pétrin à cause de Piper. Merci de votre honnêteté. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais fait entrer sans le moindre problème. Elle est vous, mais c'est le maire qui commande. Et comme vous avez pu le voir, il s'énerve facilement. Ah, au fait, qu'est-ce qui vous amène? Ce sera un bon point pour moi si je le note sur le registre. J'essaye de retrouver quelqu'un. Ah bon? Qui donc? Mon fils a été kidnappé. Il s'appelle Sean. Ce n'est qu'un bébé. Non, je suis vraiment désolé. Mais on a ordre de pas se mêler des histoires de disparition. Il y a beaucoup de paranoïa en ce moment à cause de l'Institut. Et une action officielle risquerait d'envenimer la situation. Vous imaginez si les gens se mettaient à paniquer? J'ai juste besoin d'un renseignement ou deux, Danny. Ça peut rester entre nous. Je suis désolé, mais c'est impossible. Oh, j'ai des ordres. Non, j'ai été gentil avec lui. Et si on faisait affaire? Vous me donnez des informations, je vous paye. Les pots de vin, très peu pour moi. C'est non. Ah, le bâtard. Dans ce cas, je vais aller demander ailleurs. Ne vous découragez pas. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous aider en ville. Putain, le mec, ni les pots de vin, rien ne marche, quoi. Allez-y, entrez. Ok. Bah écoutez, je vais aller dans la ville, voilà, et je vais pas trop tarder à arrêter parce que j'ai un peu de travail à finir. Il faut que je prenne mon niveau aussi, donc je vais peut-être suivre ce que t'as dit, Freeze, c'est-à-dire mettre un point en agilité, voir ce que ça donne. On sait pas. Pourquoi ça clignote là? Et celle-là aussi qui clignote. Je sais pas pourquoi. Ça aussi, ça aussi. Mais par contre, ça par exemple et ça, ça ne clignote pas. Qu'est-ce que ça signifie? On comprend pas pourquoi il y en a qui clignotent et d'autres qui clignotent pas. Ça se trouve, j'ai complètement tort. Ouais, non, mais je sais. Pourquoi ça clignote? Regardez sur Google. Alors, Fallout 4 compétences clignote. Voir ce que ça donne. Des astuces pour ne pas galérer dans Fallout 4. Fouillez tout, ouais, ne frimez pas trop avec votre Pip-Boy. Blablabla. Ne jouez pas à la marchande. Ok, tout est à garder. Prenez soin de vos compagnons de route. Ayez la tchatch. Beaucoup de charisme, ça débloquera des options de dialogue, ouais. Chouchoutez votre armure assistée. Lol, je l'ai jamais utilisé quasiment. Laissez parfois tomber le système de visée. Oui, ça c'est. Je le fais déjà. Nager également, rassuré. À cause des radiations, pensez à sauvegarder souvent. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Alors. Peut-être pour monter que tu en as besoin. Pas. Je marque étoile clignote. Là. Il y a un mec qui pose la question. Ça veut juste dire que t'as le niveau pour passer au rang supérieur. Et genre ça, j'ai pas le niveau par exemple. Ah non, ok, il faut être niveau 18. Ok, ça veut juste dire que j'ai le niveau, d'accord.
D'accord, d'accord, d'accord. Ah, je vais augmenter mon... Je sais pas, en fait. Non, je vais regarder, du coup. Fallout 4 scientifique. Tac, tac, tac. Scientifique. Alors, pour l'armement, vous devez passer sur forgeron pour les armes blanches, fanat d'armes et scientifique pour les armes à feu et laser. Ah, mais c'est quoi le truc scientifique là? Ils en parlent, mais. Fastidieux. Mais il n'y a pas de truc scientifique. Ah! Je suis pas fou. Y'a rien qui s'appelle scientifique. J'ai fanat d'armes, mais j'ai pas scientifique. Ah! Ok, putain, c'est trop mal fait. En fait, c'est avec la souris sur la main en haut ou en bas. Oh putain de merde. Ok. Ah bah tout de suite, d'accord. Tout de suite, on comprend mieux. Donc là, c'est pour améliorer. Putain, bah si j'avais su, le crochetage et tout ça, je l'aurais augmenté depuis bien longtemps. Serrurier, forgeron. Ok, d'accord. Bon, je vais prendre serrurier déjà. Putain, parce que moi, j'avais tout essayé. Genre... Voilà, j'avais le truc ici. En plus, ça finit pile poil bien, là, ici. Donc moi, j'avais essayé ZQSD... Truc normal, j'avais essayé de scroller, mais scroller, c'était ça zoom et ça dézoom. Mais qui aurait pu penser que c'était en mettant sa souris vers le bas? C'est pas intuitif du tout, il y a même pas de barre de scroll ou quoi, donc on a aucune idée qu'il y a des trucs en dessous. Putain, d'accord. Ah bah tout de suite, il y a une zone de flou en moins là dans le jeu. Salut ma grande. Alors, le journal se vend bien ? La presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par Pourquoi ici. Pourquoi ? Y a un problème ? Piper ! Oh, se vend. Salut, toi. Le journal est gratuit pour les étrangers. Salut, toi. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit... Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Mmh. Merci. Je rigole pas. L'Institut enlève vraiment les gens. Vous feriez bien de lire le journal si vous comptez rester dans le coin. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, monsieur. Un agneau? Alors, qu'est-ce que vous faites à Diamond City, au juste? Je cherche quelqu'un. Je parie que c'est une personne qui a disparu, pas vrai? Ah, qu'est-ce que je vous disais? C'est qui? Je cherche Sean, mon fils. Il a moins d'1 an. Vous avez un fils, monsieur? Eh ben, vous êtes plus vieux que je croyais. Alors là, vous avez pas de bol. Personne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City. Parce que quand quelqu'un se volatilise, ça veut dire que l'Institut est dans le coup. Et bien sûr, personne n'a envie d'attirer l'attention de l'Institut. Tu m'as l'air maligne. Je ne connais pas quelqu'un en ville qui n'a pas peur de l'Institut. Il y a bien le détective, monsieur Nick Valentine. Il a peur de rien, lui. Je crois que c'est le seul sur qui vous pouvez compter. Merci. Tu m'as été d'une grande aide. N'oubliez pas que l'Institut est parmi nous. Surveillez vos arrières. Ok. Alors, t'as dit... Tout en bas à gauche... Locomotive, équipez-vous de 1, foncez sur les ennemis pour afficher des dégâts et les faire vaciller, ne fonctionne pas sur les robots. C'est ça que tu parlais? L4. Vois le L4. C'est quoi le L4? Regarde en bas à gauche, mais... Monte en haut. Sur garde en bas à gauche sans descendre. Ah! Ça?
Armurier ? Je sais pas de quoi tu parles en fait. C'est quoi le L4 ? Ah là, ok, d'accord. Ouais, bon. Ouais, je vois le L4 et alors... Ah, tu voulais dire genre en fait ça, que ça se voyait qu'on pouvait scroller parce que là en bas le L4... Le L4 il était coupé, mais ouais, ben... C'est pas... fais gaffe quoi, il y a les menus devant. Alors là, il y a le menu devant et tout ça, je fais pas gaffe à ce qu'il y a là en plus. Enfin, c'est de la déco, tu vois, c'est ce qui est autour, donc j'ai pas fait gaffe. Et j'avais essayé les touches, donc... Comme il n'y a pas de compétences... Ok, d'accord. Ok, ok. Bon. Il est minuit et quart. Je sais pas quoi faire. Je vais visiter un petit peu la ville. Vient-il votre maison ? Vous le saurez en lisant Public Occurrences. Si quelqu'un ici est une de ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours parfaitement coiffée. Je vais visiter un petit peu la ville, voir un peu à quoi elle ressemble, et puis après, j'arrêterai, je pense. Putain, c'est creepy ça. C'est bien ça le problème. Vous là, vous avez besoin d'une authentique cogneuse en noyer taillée sur mesure. C'est quoi une cogneuse ? Vous débutez, hein ? Les cogneuses, c'est une tradition de Diamond City. Voyez-vous, avant, c'était un gigantesque stade ici. Et deux équipes s'y affrontaient pour jouer à un jeu qu'on appelait le baseball. Les joueurs tapaient sur la tronche des mecs d'en face avec des objets qu'on appelait des battes de baseball. Et les meilleurs étaient des cogneuses. Véridique. Demain tu streams seul ou avec Staros? Ça dépend s'il est là ou pas en fait. Ça a l'air marrant. Pour sûr que ça l'était. Ça vous dirait de repartir avec un petit souvenir? Votre cogneuse rien qu'à vous? Ce serait super, non? Vous avez du travail? Eh bien, si vous voulez aider notre sport, je sais où trouver tout un tas d'objets collector d'avant-guerre. L'entraîneur Westing avait un domaine non loin d'ici. D'après la légende, quand il a pris sa retraite, la Ligue lui a remis une balle, un gant et une carte de joueur signée par tous les autres entraîneurs du championnat. Vous voyez où je veux en venir ? Je vous offre 100 capsules pour chacune de ces reliques. Qu'est-ce que vous en dites ? Ok. Une carte, un gant et une balle, pigé. Je vous remercie. Et le baseball aussi. Vous venez d'arriver, hein? Ok. Si vous voulez une leçon d'histoire, allez voir Abbott près du mur. Vous avez eu l'occasion d'aller à Good Neighbor? Un vrai... Security. Y'a que des ghouls et des junkies là. Ah là. Bureau de sécurité, ok. Pas entrer dans les bâtiments, je vais juste regarder vite fait. Résidence de Pembroke. Des fois, on ne peut que se demander. Serre. L'institut doit bien avoir des ennemis, pas vrai? Quoi? Tu veux parler du réseau du rail? Offrez-vous une tiens, compte de fée, ça. Nous achetons et vendons tout, non, à tout le monde, sauf aux synthétiques. Maison de Myrna. Ils ont même une trace codée. Enfin, il y a beaucoup de brouillard par contre hein, aujourd'hui. Science Center. Chez Micker, prends soin de vous et de tous vos besoins thérapeutiques. Le seul truc qui est pas trop dégueu à l'auberge de la Brise, l'auberge c'est la Brise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien manger. Les vrais mecs de Diamond City, ils mangent au stand de nouilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Radio de Diamond City. Caché, donc je peux voler des trucs tranquillement. J'espère qu'on me voit pas. Pas de problème. Le mec avait la voix du Bojack. Ah, j'ai pas fait gaffe.
Cheng, qu'est-ce que je te répète sans cesse au sujet de la propreté du lac? M'oblige pas à fermer ton stand. Chaque goutte d'eau qui sort de ce filtre est pure à 100%. Pourquoi faut toujours que l'administration harcèle les hommes d'affaires honnêtes comme moi? C'est un risque pour la santé, Cheng. Dites plutôt que c'est un risque pour les profits, ouais. C'est moi qui m'occupe de l'eau, et je suis tout à fait capable de le... Salut. Salut, je vends de l'eau purifiée. Vous en trouverez pas de cette qualité dans le Commonwealth. Et tout seul? Et tout seul ici? Eh ouais, je vis tout seul depuis que j'ai 8 ans. Y a pas plus indépendant que moi. J'ai un endroit où crécher, je vais au cours du soir, la totale. Et si je vous offrais une bouteille d'eau? Je peux faire quelque chose pour vous? Ah, quelqu'un de serviable. Ça vous tente de m'aider à nettoyer le réservoir d'eau? Vous imaginez pas toutes les saloperies que les gens balancent là-dedans. Les filtres arrivent pas à suivre. Ouais. Compris. Essayez de pas vous noyer, ok? J'arriverai jamais à sortir votre carcasse de là. Ouais, on verra ça plus tard, de toute façon. Eau potable! Approchez, les amis! Je suis pas là parce que c'est bon pour la santé. Prends juste des petits boulots. Hein. Bon. Je pense avoir fait un petit tour là. Là, c'est la serre. Qu'est-ce qu'il a lui? C'est qui? Ah, c'est le maire, ok. Ah, bon. Touchez pas à la peinture! Carcasse de la... What? What? Ça veut rien dire ce que t'as écrit, Freeze. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est le mur. Le grand gardien vert qui nous protège de ceux qui nous voudraient du mal. Personne n'a jamais réussi à percer le mur. Le moins qu'on puisse faire en retour, c'est de veiller à ce qu'il reste en parfait état. Je crois qu'un peu de travaux d'intérêt général vous ferait le plus grand bien pour combler vos lacunes. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Vous voyez cette peinture que j'utilise? Il ne reste qu'un seul endroit dans tout le Commonwealth où on peut en trouver. Hardware Town. Un magasin en ruine pas loin d'ici à l'ouest. Rapportez-moi un pot et je vous donnerai 100 capsules. Ça vous va? Oui, il vous faut juste de la peinture. Ça marche. C'est bien aimable. Ok. Non mais... Je ne suis pas un synthétique. Oula. Je suis le garçon de chair. Il paraît qu'il y a eu du grabuge dans l'ancien musée de la sorcellerie vers Salem. Le fils de Martha et Patrick McDonough. Bon, il y a trop de monde qui parle ici. Donc attends. Mais s'il faut suivre, quand la meuf, c'est, Cheng, c'était un garçon, je crois, a dit retirer votre carcasse de là. Oui, je sais, mais c'est ta phrase en fait qui voulait un peu rien dire. Enfin, t'as mis carcasse de là, c'est retirer la carcasse de là égale Maurice est gros. Enfin, bah, il manque des mots quoi, bref, dans ta phrase. Bref, là c'est pas crochetable. Et Maurice c'est pas gros. Il a un peu en, il a une forte ossature et il est un peu en surpoids. Une école. Ah, et on retourne ici. Okay. Là c'est un vendeur d'armes. Venez faire vos achats sans risquer d'être dérangé par les synthétiques. Truc. Ne laissez pas le stress de la vie quotidienne vous tuer. Détendez-vous à l'aide des meilleures drogues. Un mec qui vend de la drogue, ok. Un médecin. Au super salon, trouvez la mec qui vend de la viande. Et là, c'est le truc de tout à l'heure. Ok. Bref. L'institut remplace les gens par des machines. Êtes-vous les prochains sur la liste? Là, on n'a pas fouillé. On appelle de l'ascenseur. On va pas commencer à appuyer sur tous les boutons. Hein. Vous avez entendu parler de Covenant? C'est vrai que c'est chouette. Monsieur. Très propre. Tout pour les résidents. Mais il laisse pas entrer n'importe qui. L'annonce de Arthur. C'est ce que j'apprécie chez toi, Wellingham. Tu connais ta place et tu es toujours très serviable. Pas comme les gens d'en bas. Bisous. Salut. Je n'ai rien contre le fait que les étrangers montent jusqu'ici, mais est-ce qu'il faut vraiment que vous me parliez? Merci, Wellingham. Je suis peut-être programmé pour servir, mais dans votre cas, je vais le faire avec dédain.
Prévenez-moi lorsque vous souhaiterez commander. Il y a un problème ? Aucun problème. Ma programmation m'impose de servir tous les clients de la maison coloniale. Même ceux qui n'ont manifestement rien à y faire. Sachez seulement que mes capteurs m'indiquent que vous avez un niveau de classe affreusement faible pour cet établissement. Gros bâtard. Okay. Oh, misère. Ça se croit encore en état de réfléchir. Ah, je l'aime bien ce robot. La maison coloniale, donc ouais, ok, ça c'est un genre de bar ou je ne sais quoi, ou restaurant, une résidence. Il n'y a que là-haut que j'ai pas fouillé et on aura fait le tour de la ville. Maison des Latimer. Présence des Cooks, ok. Ok, ok. Bon bah au moins si on doit trouver une de ces personnes, on sait. Vous avez besoin de quelque chose ? Chercher. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Votre voisin est-il vraiment humain ? Je fais une sauvegarde rapide. Non, je vais même faire une sauvegarde, une vraie sauvegarde. Pure et dure sauvegarde. Et on va s'arrêter là. Mais, comme d'habitude, on ne s'arrête pas brusquement. On va regarder une petite vidéo qui fait du bien. Petite vidéo... Qui met de bonne humeur avant de partir. C'est la fameuse vidéo de fin de stream.